Je te propose de t'asseoir le plus confortablement possible et de fermer les yeux. Tu peux prendre un instant pour connecter avec les énergies lunaires, ces énergies magnifiques de la pleine lune. Un instant pour faire le calme en toi et accueillir cette renaissance. La pleine lune de Mars est la dernière lune froide. D'ici peu, les énergies de renouveau vont se répandre sur la Terre, dans la nature, dans nos corps. C'est le moment de quitter peu à peu son intériorité et de s'ouvrir au monde, d'offrir sa lumière, son énergie. Cette pleine lune ouvre les énergies naissantes du printemps et nous invite à nous connecter à la Terre, à nous tourner vers l'extérieur, solidement ancrés. Aussi, je te propose de poser ton attention sur ton chakra racine, au niveau du périnée. Tu peux imaginer, visualiser ou ressentir une connexion très puissante avec la Terre, sous la forme que tu souhaites. Peut-être est-ce des racines, larges et puissantes, allant chercher au cœur de la planète les merveilleuses énergies telluriques. À moins que ce ne soit une intense lumière rouge, vibrante et scintillante, ou toute autre chose. Tu peux poser ton attention sur la stabilité, la force, la sécurité qui se répand en toi à mesure que tu connectes aux puissantes énergies de notre planète. Cette force de vie inépuisable, à l'image de la nature qui se régénère sans cesse et qui se réveille doucement pour nous offrir ce qu'elle a de meilleur. Merveilleuse nature, merveilleuse planète. Si tu le souhaites, alors que tu te nourris de cette incroyable énergie, tu peux prendre un instant pour plonger dans ton corps. Ce corps qui te permet de mener cette existence terrestre. Et le remercier pour tout ce qu'il te permet de vivre. Ce corps qui va accueillir ces énergies du printemps, ces énergies de renouveau, de renaissance. Peut-être peux-tu poser comme intention d'honorer ce corps. Ce pont entre ton esprit subtil et cette planète si généreuse, de prendre conscience de ses besoins, de les écouter et de les respecter. Gratitude pour ce corps, merveilleux corps. Gratitude aussi pour ces 12 énergies lunaires, et particulièrement pour les énergies de cette pleine lune du corbeau, qui, dans les traditions païennes, permettait d'accepter le passé et de pressentir l'avenir. Aussi, je te propose de prendre un instant pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour toi durant cette longue période froide. Pour tout ce que tu as nourri, intégré. Merci pour ce chemin que tu as parcouru. Tu peux également prendre un instant pour pardonner ce qui doit être laissé en hiver
dans le froid, dans le passé. Tout ce dont tu n'as plus besoin. Et accueillir avec joie ce nouveau cycle qui commence. Maintenant, tu peux prendre une profonde inspiration, retenir un peu l'air dans tes poumons et prendre le temps d'expirer doucement, lentement, le plus lentement possible, pour signifier à ton corps que commence un moment de calme, un moment de douceur, un moment de connexion aux énergies lunaires, un moment de connexion entre nous. Et tu peux t'allonger. T'allonger le plus confortablement possible. Et à nouveau, prendre une profonde inspiration en prenant soin de retenir un instant cet air frais dans tes poumons avant d'expirer doucement, lentement. Le plus lentement possible. Peut-être peux-tu sentir les tensions se dissoudre calmement avec ton souffle. Tu peux poser ton attention sur les endroits de ton corps qui prennent appui sur le matelas et sur les parties de ce corps au sein desquelles les tensions se sont accumulées. Tu peux utiliser ton souffle pour aider ce corps à se détendre en prenant encore une profonde inspiration et en expirant doucement, vraiment très doucement. Il est possible que tu commences à ressentir la détente s'insinuer doucement sur ton crâne. Couler sur ton cuir chevelu, puis sur ton front. Ce front qui se lisse, se déplisse, comme la surface d'un lac, tranquille et calme, sans bruit. La détente envahit les sourcils, la petite zone entre les yeux, tes paupières, calme. Détendu. Tes yeux se relâchent. Tes pommettes. Tes tempes de chaque côté. Tes joues se détendent. Ton menton. Ton nez. Ta bouche. Les mâchoires se desserrent. Tu es parfaitement en sécurité. La détente coule sur ton cou, dans ta gorge qui se dénoue, dans tes épaules qui se relâchent profondément. Ton souffle, calme, tranquille, profond, permet à la détente d'infuser ce corps, ses muscles, ses os, en profondeur. Jusque dans tes cellules. Tes bras se relâchent, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains et tes doigts se détendent un à un jusqu'au bout des ongles. Ton thorax se relâche, tes poumons. Ton ventre commence à s'assouplir et les organes, en sécurité à l'intérieur de ce corps, se détendent profondément. Ils peuvent se ressourcer, se reposer. La détente envahit la nuque et descend doucement dans le dos, le long de ta colonne vertébrale, dans chacune de tes vertèbres.
jusqu'au coccyx. Les muscles de ton dos se relâchent un à un, tranquillement, à leur rythme. Ta respiration est calme et profonde, et la détente coule encore et se diffuse dans ton bassin, dans tes hanches et dans tes muscles fessiers. Tes jambes se relâchent, les cuisses, les genoux, les mollets et les chevilles sont tout à fait détendus. Tu peux sentir tes pieds se détendre, les muscles sur le pied, les muscles à l'intérieur de ta voûte plantaire et les muscles dans chacun de tes orteils se relâcher doucement. Calme, détente dans tout ce corps. Maintenant que tu es détendu, je te propose de prendre un instant pour quitter ce corps physique, ce merveilleux corps, cet ami indéfectible. Le quitter un instant afin de visiter un univers plus profond, plus subtil, plus inconscient. Afin d'aider ton esprit à se diriger vers cet univers, tu peux, si tu le souhaites, visualiser, imaginer ou ressentir ton corps posé là, tranquille, au repos, tout à fait en sécurité. Peut-être peux-tu voir ton visage, serein, apaisé. Tu sais maintenant que ton esprit est léger, si léger. Il est si léger qu'il s'élève un peu et arrive à percevoir la pièce dans laquelle se trouve ce corps, ton corps, les meubles, les objets. Ton esprit est si léger. Il s'élève ton corps. Tu peux maintenant observer le toit de ton habitation et tu peux même t'y attarder un instant. Peut-être t'y asseoir et observer les rues de l'endroit où tu te trouves. Il est fort probable qu'il fasse nuit et que la pleine lune dépose délicatement sa douce clarté, sa lueur argentée, donnant à ce quartier un air presque mystique, une ambiance presque magique, magnifique lueur de la lune. Ton esprit est si léger, il s'élève ton corps et tu peux observer la ville maintenant, la beauté des points lumineux créés par la présence humaine, teinté de la douce et protectrice clarté de la lune. C'est vraiment magnifique. Ton esprit est si léger. Tu t'élèves encore. Tu peux maintenant apercevoir le continent. Et tu t'élèves encore. Tu flottes dans l'espace maintenant. Tu peux observer la planète Terre, cette magnifique planète sur laquelle nous vivons, cet endroit extraordinaire qui offre à toutes les espèces vivantes en son sein tout ce dont elles ont besoin. Quelle générosité! Merveilleuse Terre! Peut-être peux-tu percevoir qu'une partie de cette planète est baignée dans la lumière du soleil, pendant qu'une autre partie est plongée dans la pénombre,
tu peux prendre le temps d'observer ces deux phénomènes et peut-être poser ton attention sur ce que cela fait naître en toi. La richesse de la dualité. La nécessité de l'alternance. Le jour, la nuit. La lumière et l'ombre. Ton esprit est si léger. Tu t'élèves encore et sur ton chemin, tu aperçois l'astre lunaire, ce merveilleux satellite qui réfléchit la lumière du soleil. Ton esprit est si léger. Si tu le souhaites, tu peux prendre le temps de découvrir la lune, de l'observer comme tu n'as jamais pu le faire. Tu es si près maintenant. Les tracés envoûtants dessinés sur sa surface. Et peut-être que ton esprit aura à cœur de se remémorer tout ce que la lune symbolise. Les pouvoirs magiques qu'on lui a attribués, son lien avec l'inconscient, toute la fantasmagorie associée à la nuit, à l'obscurité, toutes les qualités féminines qu'on lui prête, ce rapport au rêve, à la réceptivité, à l'émotionnel, et peut-être à l'inconnu, à la profondeur, aux peurs. Quelle magnifique symbolique! Quelle richesse! Ton esprit est si léger. Tu t'approches encore et plus tu t'approches, plus tu peux sentir son énergie t'imprégner, se diffuser doucement en toi. Toute cette douceur, tout cet accueil, toute cette plénitude, tout cet amour. Peut-être peux-tu sentir comme un flot de tendresse se diffuser doucement en toi. Ce même élan nourrissant que l'on ressent lorsque une personne aimée nous étreint. Cette légère joie qui naît au creux de ton ventre lorsque tu te sens choyé, accueilli, accepté. Et peut-être même lorsque tu te sens choisi. Ton esprit est si léger. Tu es sur la lune maintenant. Tu peux choisir de t'y promener, à moins que tu ne préfères t'asseoir confortablement pour laisser ces énergies maternantes nourrir ton esprit, se répandre en toi. Peut-être te sens-tu comme enveloppé par des bras aimants. Peut-être même que tu commences à prendre conscience de tout l'amour que l'univers a pour toi, de toute l'affection que tu inspires, toute la douceur, toute la tendresse. Confortablement assise, tu peux te nourrir de cet amour, tout en observant la planète Terre,
Merveilleuse terre. Tu perçois toujours son côté lumineux et sa part d'ombre. Et peut-être que tu prends conscience que cette dualité n'est pas figée, qu'à mesure que tu observes, des aspects sombres s'illuminent peu à peu, tandis que des aspects lumineux pénètrent doucement dans l'obscurité. Peut-être que tu perçois simplement cette lente alternance générée par la rotation de cette magnifique boule bleue. Tu te nourris toujours de l'amour infini de l'énergie de la lune. Cette lune qui elle-même est tantôt pleine, visible et lumineuse, tantôt cachée, invisible et sombre. Peut-être que ton esprit commence à percevoir que cette alternance est également présente en toi. Ces parties lumineuses, visibles, valorisées, et ces parties sombres, cachées, qui t'inspirent parfois de la crainte. Porté par l'amour inconditionnel de cette énergie lunaire si bienfaisante, si nourrissante, tu peux, si tu le souhaites, laisser apparaître à côté de toi toutes ces parties de toi, ces parties sombres, cachées, ces parties qui t'inspirent de la peur. Tu es tout à fait en sécurité, bercé par l'accueil infini de la lune. Ces parties de toi, ces peurs, ces jugements négatifs peuvent prendre la forme que tu souhaites. Elles peuvent se matérialiser en un enfant apeuré, ou en démon terrifiant, ou encore en personnage chimérique, ou en toute autre chose. Tu peux prendre le temps de les observer. Peut-être ces ombres sont-elles loin de toi? Tu peux tout à fait t'en rapprocher. Tu es parfaitement en sécurité. Tu es aimé, soutenu, protégé. À mesure que tu t'approches de tes ombres, peut-être peux-tu voir qu'elles ne sont pas si effrayantes. Peut-être même peux-tu les voir dissimuler quelque chose. Comme si cet aspect obscur, sombre et parfois glaçant cachait en fait autre chose. Tu t'approches encore et il est possible que l'énergie lunaire t'amène à voir ou à pressentir que derrière ces masques effrayants se cachent des potentiels insoupçonnés, des forces, des ressources, des envies, des besoins, des facettes de toi que tu n'avais jamais envisagées. Tu t'approches encore et tu peux maintenant prendre conscience que chacune de ces ombres
Chacune de tes peurs cache un idéal qui te paraissait jusque-là inaccessible. Un besoin que tu croyais ne pas pouvoir combler. Une particularité dont tu ne percevais pas la beauté. Prends le temps de rencontrer tes parts d'ombre, de prendre conscience de tout ce qu'elles ont à t'apporter. Toutes ces parties de toi blessées, incomprises, rejetées. Prends le temps de les accueillir, de les regarder, de les écouter. Merveilleuses ombres. Elles sont si surprenantes, si riches. Il est temps de rentrer maintenant. Il est temps d'accueillir ces ombres totalement. Si tu le souhaites, tu peux leur proposer de se transformer en énergie subtile, en rayons lumineux ou en particules d'étoiles, à moins que tu ne préfères autre chose. Tu peux laisser entrer chacune d'elles dans ton cœur, au centre de ta poitrine. Et peut-être que tu peux imaginer, visualiser ou ressentir des particules argentées entrer dans ton corps à mesure que tu accueilles tes ombres dans ton cœur. Il est possible que tu ressentes une légère joie, un profond soulagement, ou peut-être même une intense sérénité à mesure que tu accueilles ces merveilleuses parties de toi. Peut-être te sens-tu complète, unifiée, puissante, tout à fait constitué d'amour.
Il est temps de partir maintenant. Tu quittes cet astre lunaire merveilleux. Et à mesure que tu t'éloignes, tu sens que ces énergies t'accompagnent. Que cet amour infini pour toi, pour ce que tu es, t'accompagne. Qu'il est tout à fait présent en toi. Et à mesure que tu t'approches de la terre, tu perçois à nouveau très clairement que dans ce monde de dualité, tu as besoin de tes parties lumineuses comme de tes ombres, que l'alternance est bénéfique, que tes besoins sont tout à fait légitimes et que tu as le droit de les nourrir. Tu t'approches encore. Peut-être sens-tu ton esprit entrer dans l'atmosphère. Tu descends encore et tu peux maintenant apercevoir les magnifiques points lumineux générés par l'activité humaine. Merveilleuse humanité. Tu descends encore. Tu peux voir le continent, le pays. Tu descends encore. Tu aperçois ta ville maintenant. Tu descends encore. Tu peux voir ton quartier, le toit de ton habitation. Tu le traverses doucement et te voilà dans la pièce au sein de laquelle ton corps se repose paisiblement. Tu peux prendre un instant pour l'observer. Ce corps parfaitement adapté à la vie terrestre. Ce corps incroyablement performant. Merveilleux corps. Ton esprit éprouve une envie irrésistible de se blottir à l'intérieur de ce corps, de partager avec lui tout ce qu'il a appris. Et à mesure que ton esprit réintègre ton corps, peut-être peux-tu sentir, ressentir ton corps se détendre plus profondément encore. Peut-être même que ton corps reçoit des informations qui lui permettent de se ressourcer, de se réparer, baigné dans cet amour immense. Toutes ces ombres comprises, accueillies, acceptées. Prends le temps de sentir, de ressentir l'incroyable énergie de guérison qui se répand dans ton corps. Peut-être peux-tu prendre un instant pour te signifier à toi-même à quel point tu es merveilleuse, à quel point tu es digne d'amour.
doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer, si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux.